Merci. Bonsoir. Du coup, je voulais vous demander tout simplement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait supprimer l'aide au développement ? Il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui l'ont proposé, en tout cas. Des Africains l'ont proposé, car lorsqu'on regarde les trois premières catégories du CAD, hein, établies par le comité de développement de l'OCDE, on s'aperçoit que depuis le début de l'aide au développement, il y a beaucoup de pays qui sont rentrés dans ceux qui étaient pour qui l'aide au développement pouvait être pratiquée, enfin qui pouvait bénéficier de l'aide au développement. Donc c'est un véritable problème. C'est là que se pose la question, c'est quoi l'aide? Quel développement? Bon, tout ça, ça a une histoire, évidemment. L'histoire, d'abord, premier temps, le retard. Hein, l'idée que les pays africains, sans tenir compte de leur spécificité, des rapports de domination, des rapports de prédation, de l'échange inégal, parce qu'il y a eu plusieurs points de vue sur cette question, bon, finalement, n'avaient qu'un retard, qu'il fallait apporter de l'épargne, comme on disait, c'est-à-dire des capitaux, pour qu'ils puissent se développer et nous rejoindre, à l'image du plan Marshall, etc. Voilà. Bon, ça, c'était une première vision. Ensuite, autour du Programme des Nations Unies pour l'environnement, eh bien, avec la réunion de Cocoyoc, bon, voilà, a été formulée l'idée que l'on retrouve maintenant dans le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et dans le PNUD, hein, etc. C'est l'idée de l'éco-développement, avec beaucoup, une idée que ces pays-là devaient s'auto-développer en tenant compte de leur culture, de leur histoire, etc., etc. Et ça, ça a été mis, Maurice Strong, qui était le rédacteur de tout ça pour le programme de Cocoyoc, et il a été mis au pied du mur par le gouvernement des États-Unis qui a dit, vous, le programme des Nations Unies pour l'environnement, occupez-vous simplement de pollution. Vous occupez pas de tout ça, hein. Voilà. C'est à la suite de ça qu'il y a eu, en fait, le rapport Brundtland, et puis le premier sommet de Rio, 92, 97, 92, et où là est née l'idée ambiguë, hein, de développement durable. Hein, car par développement durable, ça peut signifier deux choses. Soit qu'on peut substituer les facteurs de production entre ce qu'on a appelé le capital naturel, qui n'est pas un capital, mais enfin qui peut être monétisé, etc., etc. Et puis le capital technique, ce qu'on appelle la soutenabilité faible. Et c'est ça qui a triomphé, quoi qu'on pense, en 92 et ensuite. Et la soutenabilité forte, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de la nature qu'on ne peut pas remplacer par des techniques. Par exemple, les abeilles. Bon, on voit très bien que, on l'a montré, hein, à certains endroits, ah ben, on peut polliniser, hein, ce qui doit être pollinisé avec des cotons-tiges, hein. Voilà, ça, on peut le faire. Peut-être peut-on créer des petits drones qui jouent le rôle des abeilles. Ouais, on voit très bien que là, le compte n'y est pas, hein. Voilà. Donc, on en est là. Et cependant, cette année, enfin, en 2020, le programme des Nations Unies pour le développement a révisé, ce qui est déjà pas mal, hein, à vrai dire, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain qui, de façon différente de ce que produit l'OCDE, ne se fonde pas sur le revenu national brut par personne, par tête, non, par personne, mais se fonde sur d'autres critères. Hein. Même si cet aspect fonctionne, hein, mais en parité de pouvoir d'achat, hein, pas en valeur comme l'OCDE. Et bien, c'est aussi l'éducation, le niveau d'éducation et le niveau de santé,
avec des sous-critères, etc. Et là, avec la possibilité d'avoir d'autres éléments dits de développement. On voit bien que le développement, c'est pas uniquement la croissance économique ou le développement économique. C'est un certain nombre d'éléments qui amènent à bien vivre ou à vivre de façon correcte. Et maintenant, c'est ajuster. Alors, il y avait d'autres indicateurs. L'indicateur de pauvreté humaine 1 et pauvreté humaine 2. Enfin, pays pauvres et pays riches. Parce que chez nous, enfin, dans nos pays, chez nous, c'est façon de parler, hein, il y a aussi des gens qui sont très pauvres. Donc, mais c'est pas les mêmes indicateurs qui peuvent fonctionner. Les indicateurs dits sexo-spécifiques. C'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire selon le genre que tu as, ben voilà, tu es réprimé, tu te développes moins que d'autres. Bon, en gros, qui retrace le processus de patriarcal de domination dans les pays. Maintenant, il y a un nouvel indicateur qui a été promu l'année dernière, qui ajuste tout ça aux pressions de ces sociétés sur la nature. Donc il y a un progrès. Donc on revient quelque part contre les forcés aux intuitions de l'éco-développement des années 70, 80, 70 plutôt. Hein, voilà, on y revient. Mais il était temps. Donc tout ça nous renvoie peut-être à la question de la période dans laquelle on se trouve et de l'aide au développement dans cette période. Ben, le PNUE parle dans la période de l'anthropocène. Alors moi, je préfère dire du capitalocène, mais c'est pour répondre un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir qui serait un peu plus anthropologique. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut voir de façon déterminée, délibérée. Mais c'est nous. Après, les peuples. Et bon, voilà. La question du développement comme un développement écologiquement possible. Comment on doit faire? Ça pose la question de la croissance, de la décroissance, la croissance partielle, décroissance, etc., etc. Un grand nombre de... Oui, le premier intellectuel qui a fait une critique vraiment très radicale de la notion de développement et encore plus d'aide au développement, c'est Ivan Illich dans un bouquin qui s'appelle Le dictionnaire du développement. C'est intéressant de le relire parce que de relire ce chapitre-là parce que ce qu'il critique est toujours pertinent, mais il s'est passé d'autres choses, ce que tu expliques toi là, et donc il y a eu une actualisation de cette critique d'Ivan Illich qui va paraître dans un bouquin qui s'appelle Multiverse. Et mais l'idée de base, c'est de dire le développement, c'est toujours monter le niveau, mais dans le cadre de système capitaliste, dans un type de donc d'univers prédéterminé, qui est celui qui est celui des sociétés occidentales, et donc on demande aux sociétés du Sud de rattraper leur retard de développement, mais dans le cadre du système capitaliste. Et donc l'approche qui est proposée par un certain nombre de gens, c'est de dire mais ils peuvent tout à fait se développer, mais pas dans le sens tel qu'il est proposé depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale.